C'est un gars fidèle, c'est un gars qui il aurait pu partir la même fois, mais il est resté ici pour différentes raisons. Puis je pense aussi qu'il a cru en cette organisation de pouvoir jouer le haut du tableau puis de pouvoir espérer à gagner ce but ultime qui est un titre. Donc, mais non, c'est vraiment une bonne personne. C'est une personne qui fait tout pour ses coéquipiers. Il nous aide aussi le staff. Donc, c'est vraiment fun à coacher et à être coéquipier d'un joueur comme ça. On a vécu des bons moments, que ce soit en Champions League ou même dans les voyages d'équipe, un peu partout vraiment, dans les vestiaires, partout. On a vraiment vécu des bons moments. Après, des anecdotes, je pense que c'est mieux de les garder en privé aussi parce qu'on doit garder un peu ces petits trucs privés. Un exemple pour tous les juniors et aussi pour tous les sportifs d'élite. Je pense que voilà, c'est pas facile de faire une carrière professionnelle. Et d'en faire une comme la sienne, ça tient presque de l'impossible. Donc non, c'est très beau. C'était un grand idole aussi avec André, les deux. Je pense que c'était les grands stars quand moi je jouais en piccolo, mosquito. Et puis ouais, ça fait plaisir maintenant de pouvoir apprendre de ces gars. Et puis ouais, c'est clair que c'était des grandes idoles. Et puis ça me fait énormément plaisir de pouvoir jouer avec eux et puis les voir tous les jours. C'est mon meilleur ami, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses ensemble, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté privé. Je pense que tout le monde sait que c'est une personnalité très attachante, que c'est quelqu'un de simple, malgré son aura, malgré son statut, ça reste quelqu'un de très accessible. Et puis, un exemple encore une fois pour tous. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.